Salut tout le monde, c'est Sébastien01, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel. Donc aujourd'hui comme vous l'avez sûrement vu, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc on n'est pas à la ferme, on est au salon d'agriculture. Donc je vais essayer de vous faire des images un petit peu de tout ce que je veux voir aujourd'hui. Évidemment je pense pas que je pourrais tout vous montrer et pas non plus tout expliquer parce qu'avec le monde tout ça c'est compliqué, on n'entend pas trop bien. Même là pour vous tourner l'intro, trouver un endroit dans le salon à peu près au calme, c'est quand même compliqué. Mais voilà, je vais surtout essayer de vous faire des images quand même assez sympas, surtout au niveau de l'élevage bovin, parce que moi évidemment ça m'intéresse le plus. C'est ce pourquoi principalement je suis ici quand même. Allez, sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Donc là juste en même temps que je vous parle, il se passe un concours bovin juste derrière moi. Comment est-ce qu'on unifie la détermination, c'est des bassins. Pour une de ses utilisations.
puisqu'une des utilisations historiques du cheval boulonné était de transporter le poisson frais de Boulogne-sur-Mer à Paris. Transporter le poisson frais de Boulogne-sur-Mer à Paris, donc on avait des jupons. Merci de bien aller sur des côtés, s'il vous plaît. Di Burrico. Thank you.
salle de traite. Donc là, j'ai pas pu vous montrer, mais à mon avis, ils viennent d'entrer. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, donc j'ai essayé de vous faire un maximum de belles images. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos qui sortiront, même si c'est vrai qu'en ce moment, oui, je ne suis pas très très régulier. Oui, je sais, vous allez me dire, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, mais en ce moment, c'est assez compliqué chez moi, notamment avec mon père aussi qui est malade, donc je vais quand même vous épargner tous les détails. C'est vrai que j'ai pu mettre un petit peu de côté les vidéos, mais vous inquiétez pas, j'ai pas non plus totalement tout oublié. Je vais essayer de me remotiver à refaire des vidéos. Évidemment, je pense pas que je serai aussi régulier qu'avant avec une ou deux vidéos par semaine, mais évidemment, quand je pourrais, une semaine sur deux au maximum. Mais je préfère quand même vous faire un contenu propre que quelque chose que je vais me forcer à faire et que ce sera fait à l'arrache, parce que forcément, dans les vidéos, ça se ressent. Et sur ce, moi, je vous souhaite un bon dimanche et à une prochaine. Allez, salut!